Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la Brest Cup dans cette saison 3 de mode Pro Team avec José Joachim Rojas en tant que leader du sprint, hein, pas en leader normal, hein, vraiment c'est notre leader pour le sprint. Tout le monde va prendre leur gel rouge. D'accord. Par contre, l'objectif serait un maillot vert avec plein de cartes, avec les deux sprints intermédiaires. Mais je l'ai mis dans l'échappée, mais à chaque fois je pouvais pas finir premier parce que bah tout simplement je me. C'est pas que je me fais bloquer, mais t'as capté quoi. C'est compliqué. Pourquoi c'est encore compliqué 5 km avant de connaître le nom du vainqueur du jour. Bah parce bien, vu que. La physionomie de la course, pourquoi c'est compliqué plus que probable que ce soit un parce que j'avais pas de barre bleue et que ça nous laissait pas partir à chaque fois. Il fallait, enfin bref, c'était un bordel. Hein. J'avais pas de barre bleue à chaque fois, même en prenant mon ravito. C'était de la galère. Bon, par contre, on est bien placé avec José Joachim Rojas. Hein. Non, je vais vous dire, et c'est à 2 km okay. Que je vous dis à tous. Va attaquer. Vous allez suivre les attaques. Zevenin, ce qui est le patron de l'oreillette. D'accord. Et c'est genre à 2,5 km de l'arrivée que je leur dis. On aperçoit là-bas la flamme rouge. Top, maintenant. Voilà, maintenant. Les gars, vous allez attaquer pendant que moi, je prends mon gel rouge. Le dernier gramme de gel rouge qui me manquait. Dégage, mais Yézidek. On est enfermé. On va pas faire une bonne place. On va pas faire une bonne place, même si on a qu'à... Ah, c'est bon, là, on a réussi à... Non, on a réussi à se remettre en okay. Pause. On va attaquer. Finalement, j'aurais demandé d'attaquer un peu trop tard, mais... Et c'est parti pour le sprint. On va essayer quand même de faire un beau sprint avec Rojas. On se fait piéger, là, on est bloqué par tout le monde. Ah, on va faire 9e. On se fait bloquer, mais c'est chiant. Qu'est-ce qui est le plus désagréable dans ce jeu? J'adore le jeu, mais franchement... Les frises et les blocs, c'est les pires trucs. Mais en même temps, c'est un peu comme ça dans la vraie vie, mais... C'est chiant. On aura fait une bonne place. On aura fait une bonne place si on s'était pas fait bloquer. À 2,5 km, on est en tête. Après, on se fait bloquer. Tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le gars, il joue les tout. On peut dire que le... Chessball qui gagne, d'accord. Alors là, vraiment, on aura tout vu. On doit prendre 2 points. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis... L'objectif de cette saison, c'est de finir dans le top 20. Et de débloquer Paris-Nice. Et Dauphiné. Après, et dans la prochaine saison, ce sera de débloquer le tour. Mais si on peut débloquer le tour, on va se taire parce qu'on n'a que 99 PPC. Et là, et le 20e à 150 000 euros, mais le 18e on a 250 000. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est on se retrouve tout de suite dans le final de la prochaine étape. Qui m'a énervé parce que déjà, dû, je veux partir à l'avant avec plein de cartes qui. Ce gars, hein, plein de cartes. Et 50e, il réussit pas à remonter. D'une, deux, deux. Ça a pris 50 bornes, l'échappée a pris 100 km. Ouais, c'est ça, 100 km, non. Après 50 km pour sortir. Tiens, bon, au moins le point positif, c'est qu'on a pris le maillot à poids avec Madouas. Et également qu'on a pris. On a fait les deux sprints intermédiaires qu'on n'a pas passé en tête parce que d'après Siani, Janssen est plus rapide que nous. J'aime bien le jeu, mais franchement, les frises et les blocs, c'est le truc qui détruit le jeu. Par contre, là, on va pas se cacher que. Bon, là par contre. Tous prendre votre gel rouge et suivre les attaques. Voilà, maintenant, d'accord. Suivez tous les attaques. Le leader, je sais pas, je pense à Thomas Frehley. Hein. Carrément, on peut pas. Hein. Ça sprint, je sais pas comment on va le faire avec Rojas, mais on va le faire. D'accord, on suit les attaques. Parce que littéralement, là, on pas récupère. Hein. Littéralement, pas récupérer. Hein. Sprint à terre. Il n'y a pas de quoi récup. Le final est tendu. Également, là maintenant vous a... maintenant vous allez tous aller expo. Parce que ce sprint je le déteste.
Je l'ai fait une fois sur le 2015, je l'avais remporté avec une Zolo. Bon, j'étais en difficulté facile, mais là, dans le 2020, je réussis pas, je sais pas comment me retrouver aussi loin. Encore bon, deux virages à droite et le sprint pourrait être lancé. Attention toutefois à ne pas produire son effort trop tôt car l'arrivée est en légère montée. Voilà, l'arrivée est en légère montée. Ça, c'est nickel. Là encore, je suis bien placé. Mais dans l'arrivée finale, je sais pas ce qui m'arrive à chaque fois, mais je suis tout le temps mal placé ou je me fais bloquer. Bon, bien sûr, derrière. Incroyable, ils sont bloqués. Il y a sûrement dû avoir une chute. Au moins, Fraile et Madois sont là, nos deux leaders. Toi, tu... One la bistoufly, hein. Toi, tu fais ta life. Bonne carte, tu te relèves. Au moins, on va essayer d'avoir le maillot vert avec Horace. Ça va pas être chose gagnée. Allez, vous savez quoi, maintenant, on va directement lancer le sprint à 800 mètres. Mais vas-y, comment ils font pour tous me dépasser là? Lorenzo Manzan, je te détruis. Et vas-y, on finit. 13e. Ça m'énerve, ce jeu. Punaise, non, ça, je m'en fous de... Franchement, de Vénard, je m'en fous totalement. Vas-y, mais punaise, ce jeu, il m'énerve. Les blocs, comment ça, il peut pas s'écarter bien sur la droite au lieu d'énerver tout le monde. Non, il s'est dit, tiens, lui, il a l'air d'être fort, bim, vas-y. Et je peux même pas récupérer de bleu à la fin. Pourtant, je me... Voilà, le jeu qui met Roras à relayer à 100% alors que c'est le leader de l'équipe pour le sprint. Non, mais la logique, même si c'est le... Même s'il est moins bon sprinter que plein de cartes. Il est en pic de forme, il est leader du sprint. Et Chessbol qui gagne encore. Bon, par contre, ça m'énerve, m'exaspère un peu, beaucoup. Punaise bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Dégage, Guigui. On est 8e avec Roras. Maillot vert. On est 4e. Chessbol, bravo, hein, on peut pas gagner le maillot vert avec Roras, on l'a déjà abandonné. Valentin Madouas, 1 point, ok, bah ça va être l'objectif. Meilleure équipe, c'est, bah nous on est passé de 9e, hein. On a perdu. On a perdu 8 places, combativité, c'est Van Anden, plan de carte, ok. Cette étape, elle m'a énervé, 50 bandes pour une échappée sortir avec, ça m'énerve. On se retrouve tout de suite c'est dans la prochaine étape. Cup. Non, cette dernière étape de la Brest Cup, vraiment, ben, on a tout donné avec Valentin Madouas pour aller chercher ce petit maillot. Bon, Madouas, t'es où, toi? Je te demande de me protéger, t'es à 10 000 km derrière. Le jeu, il est bien, mais franchement, il y a des trucs, il y a des petits trucs par-ci par-là qui m'énervent. Bon, par contre, avec Omar Fraile, l'objectif va être le classement général, du coup. C'est vrai que par contre, là, t'as pas été fameux. On est quand même encore 24 alors que j'ai roulé pendant tout le début de l'étape et qu'on a fait exploser avec Madouas pour aller chercher le maillot à points. Avec seulement 5 points Laura. Mais c'est déjà important d'avoir des points. Mais il est de nouveau en tête du classement général. Vous savez quoi? On est là, nous. Et ben on va attaquer même avec Valentin Madouas. Avec Omar Fraile. On va chercher, mais on va prendre du bleu. On a Carlos derrière. Lantin Madouas, tu peux aller m'aider si tu veux, mais je pense pas que tu auras la force. Je vais relayer fort. Heureusement qu'il y a la bascule là, parce que là on peut pas forcément tout suivre. Il attaque, faut pas qu'on lui laisse d'avance. Ok, c'est bon, on a réussi à revenir. Avoir quand même un peu de, j'allais dire, de bleu. Il passe à l'offensive. On a un peu de rouge là pour la fin. Bon, par contre, Guécheque. À 5 km du but, galopant, un Ouellet. Homme s'est isolé en tête de la course. La question est de savoir s'il réussira à résister dans le dernier kilomètre. Mais on est tous dans le même temps là. Ah ouais, non, il y a... Les gars, la côte finale fait 1 km. C'est une côte en deux temps, avec le pied qui est très très raide, mais avec les 400 derniers mètres qui sont presque plats. Là, on essaye de s'accrocher quand même, en tout cas. Bon. On va essayer, là on est encore 28 dans le peloton. Madouas, tu sors de mes pattes, hein. Ouais, tu es pas là heureusement parce que même s'il t'aurait pu servir, Valentin. Mais Chessbol a réussi à passer, mais incroyable, qu'est-ce qu'il fout là lui? J'ai Rossa qui est lâché, qui est totalement à la dérive et à 1 km. Qui est à 5 km, Rossa, il est là. D'accord, bon, Rossa, c'est vrai qu'il était pas en forme. Mais Aguirre dégage, mais punaise. Encore pour l'homme de tête. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. C'est là essayer de faire la différence. Attention, il attaque.
Geshku qui va, mais il va aller s'imposer le Simon. Là la course gagne et Simon Geshku. Oh par contre là je pense qu'on va pas faire de résultat avec. Oh ça a été mal joué. Même si il loupe le virage dernier. Généralement le dernier virage il le loupe. On va finir 7ème avec Coma Brest Cup. Quoique il y en a peut-être qui sont derrière nous. Et combat ou devant nous combat. Enfin bref. Mais quand même. On aurait pu tellement se mettre bien sur cette Brest Cup, mais en même temps il arrive à Quimper quoi, il n'y avait que Quimper. Du coup c'est pas fameux. J'aurais préféré avoir le mur de Bretagne. Mais bon, on s'est plus battu avec Madouas pour un maillot à poids. Du coup, les podiums. Ouais, avec Omar Fraile, on était en défaillance, mais on n'a pas pu tout donner. On n'a pas pu assez récup et Geshku qui s'impose quant à lui. De monter sur le pont. Il est en tête du... Il joue les tout... Il est dans une... Le maillot à poids. Valentin Madouas. Et le maillot blanc s'en fout, chess ball. Mais comment il a fait pour rester là, lui? Ça, j'ai pas compris. J'aurais pu faire rouler. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. Et on a essayé. Bon, après, c'est pas fameux. On est 11e. On est seulement 11e. Oh là là, mais vraiment. On a été éclaté au sol. On est 19e. Hein. On est 19e équipe. On a seulement pris 22 PPC, on n'a pas réussi à dépasser Alpecin. Sauf que Alpecin vont faire énormément de points avec Mathieu Van Der Poel. La Nippo, ouais, la Nippo, ça peut être important. Et la Nippo, ils vont être importants. Mais il y a Movistar, Cofidis, NTT, Arkea qui font, et BNB Hotel qui font le tour. Qui peuvent nous dépasser parce que bah, Arkea, ils ont Nero. Du coup, ça va faire forcément des points. On va se simuler le Dauphiné. On mériterait quand même pas de se... Bon, déjà, l'AF qui gagne d'entrée, c'est propre. J'aimerais tellement là qu'on débloque Paris-Nice Dauphiné, ce serait largement mieux, mais bon, c'est la vie. Roglic qui s'est imposé, par contre. Ackermann. Ah, ça, c'est stylé, ouais. Ackermann qui s'impose. Geraint Thomas, Avalon Pont d'Arc, Caverne du Pont d'Arc. Et Dylan Groenewegen à Saint-Just-Saint-Rambert. Valverde qui s'impose au Grand Bornand et qui prend le jaune d'ailleurs par la suite. Et Egan Bernal qui s'impose à La Rosière, qui prend le jaune. Et attention, roulement de tambour. Et Roglic et Bernal qui conserve le maillot jaune. Du coup, là déjà, on est on déjà avec le maillot 21e. C'est super. Félicite. C'est pas fameux. Le tour, ça va être la... Non, on veut pas quitter. Ah là là, parce qu'avec le tour, là, ça va être la descente totale. Déjà, Groenewegen. Fugel, Sang, déjà. Vas-y, Fugel, il va encore gagner le tour. Quand t'as combien, Fugel gagne le tour? Quand t'as 3. C'est vrai, Fugel, il va le gagner le tour direct. Egan Bernal. Fuglsang en plus qui va gagner au Mont Ventoux. Du coup là il a large le tour gagné limite. De toute façon limite un tour sur c'est allez un tour sur deux c'est Fuglsang qui gagne limite à chaque fois que je fais un tour il le gagne. Clément Venturini qui gagne l'étape de non Cosnefroid à Lavure, mais c'est vrai Fuglsang. Ah, mais c'est une machine le gars. Lou Danviel. Dan Martin. Ouais, Fugel qui est encore en jaune à la Reims. Tout va bien. Fernando Gaviria. Bon, par contre, au Puy-Marie, Saint-Etienne, Palakit, Col de la Loz, il intéresse à se faire prendre un. Groenewegen. Alaf. Ouais, Alaf, mais toujours Fugel en jaune. Il a pris la deuxième étape, il l'a pas lâché, il a déjà remporté 3 étapes. Oh, Jacob! Il remporte encore une étape, mais il faut qu'il se calme. Oh, Fugel. Oh, punaise. Oh là 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 là. Oh, misère de misère. Slater qui gagne une étape. Ouais. Non, mais Slater qui gagne une étape. Attention, parce que là,
Ils peuvent nous reprendre des PPC, hein, la Vital Concept. Ils vont nous reprendre d'ailleurs. Alaf. Ou pas la kit. Valverde pour le mettre en difficulté, mais malheureusement ça ne marchera pas. Col de la Lose. Bourgman. À la Roche sur Foron. Fugol toujours en jaune. Mais il gagne quasiment tous les tours avec son 82 montagnes. Alors qu'il mérite même pas 82 montagnes. C'est la meilleure place sur le tour, c'est 7ème, Fugerson qui te les gagne tout ça, là, Thibaut! Ah, mais ça suffira pas pour le détrôner, vas-y. Mais comment il fait pour tous les gagner, Fugerson? Vas-y, je vais même le baisser, je pense, à en dessous de 80 montagnes. 80, ouais, pile. Parce que vraiment, 82 montagnes, c'est un peu trop, je trouve. Il gagne avec 9 secondes d'avance sur Bernal. Aïe. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais... Non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Du coup, en commentant, en likant, en partageant. C'est ici qui se me trollait. Ciao, bye.